bien, que votre début de journée se passe bien. Ben moi, mon début de journée se passe merdique. Voilà, pour continuer nos mois, hein, bien évidemment. Mon nouveau snap a sauté. Donc, sachez que c'est officiel, je le dis. Attends, c'est hyper important là ce que je dis. Ah, pardon. Il n'y a pas de souci. Émine, d'accord. Laurent, ici présent. Dis pas. Parce que vous savez quoi, moi je voulais pas faire de nouveau snap parce que ça mettait le bout de nerf en fait. Que on me fasse ça et qu'il faut refaire. Ils m'ont dit refais pour ta communauté, etc. Tu manques à tout le monde sur snap. J'ai refait. On m'a re-sauté. Sache que je ne ferai plus. Et je vais dire publiquement snap, je vous fais un gros doigt dans votre cul. Voilà. De fou. C'est un truc de fou. Non, mais il n'y en aura pas de 1. Hein. J'en veux plus. Ah ouais, c'est vous êtes. Ouais, par contre, les faux à mon nom, pourquoi ils restent? Je voudrais comprendre. Parce qu'en plus, je l'ai fait avec un autre téléphone, notre adresse mail. Donc pourquoi tous les faux comptes à mon nom, ils restent actifs? C'est dingue. C'est ça que je comprends même pas. Pourquoi les faux comptes, ils restent? Pourquoi ils suppriment pas les faux comptes? Qu'est-ce qu'ils en savent que les faux comptes, c'est pas moi? Ah, Dieu du ciel. Vous savez, je suis en plein tournage, je suis avec leur caméra, mais je m'excite quand même parce que vous me faites péter un câble. Vous me faites péter the cable. Voilà, the cable. Tout de suite, hein, nous on va jouer au Uno. Hein, maman? Ah oui. Tiens. On va se faire une petite partie de Uno, voilà. Ma mère vous le fait aussi. On n'oublie pas. Hein? Snap. Voilà. On n'oublie pas. Voilà. On n'oublie pas. Tous ensemble. C'est fini. De toute façon, vous voulez que je vous le dise, les filtres sur Insta, ils sont meilleurs que les filtres sur Snap. C'est vulgaire, mais... Hein, regarde comme je suis trop belle avec ce filtre. Voilà. T'en as marre? Ah, oui, moi aussi j'en ai marre. J'ai vraiment marre. Ouais. Ils prennent vraiment pour des imbéciles. Tu dirais une brat? Mais oui, parce que je suis une brat. Mais enfin, c'est vraiment moi. Un dernier truc pendant qu'ils sont en séquence. Quand même, je tiens à le dire. Mais non, c'est officiel, c'est sûr et certain. C'est pas que Snap derrière tout ça, c'est impossible. Le faux compte Snap de moi qu'il y a, les faux comptes, mais dont un particulièrement, il met absolument tout ce que je mets. C'est-à-dire, donc, il a absolument le même contenu, sauf qu'en plus, il vous arnaque avec des faux téléphones, des trucs de merde, quoi. Donc, il fait des pubs en plus. Mais sinon, tout son contenu, c'est exactement le même que moi. Vous savez quoi, ce compte-là, il saute pas. Donc, si c'était Snap, il l'aurait forcément sauté. Parce que s'il se serait dit, bah, forcément, ça peut être Jazz. Sauf que c'est pas le cas. Donc voilà, donc en plus de ça, ça veut dire les faux comptes utiliser mon image. Il laisse les faux comptes se faire passer pour moi pour faire des arnaques. Ça veut dire qu'en fait là c'est un truc de fou. Et pas quelqu'un chez Snap. Donc je conseille fortement à celui ou celle qui me fait ça. Vraiment je vous conseille que j'apprenne jamais qui c'est en fait. Je voudrais que ton père il s'appelle Laurent ou ton frère ou ton mec ou ton meilleur ami parce que Skina tu me fais vraiment 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 de la peine mais vraiment copine, genre t'es une niquée et tu sors d'où de moi depuis un an en boucle que je n'ai jamais parlé d'elle. Elle a des copines et ses copines elles viennent nous dire les choses un jour sur la tête de mes enfants. Retenez bien ce snap, vous pouvez l'enregistrer. Un jour je vais vous démonter mais sur la vie de ma mère que vous allez claquer des joues. Donc arrêtez, je vous jure, arrêtez, parce que le jour où vous allez me connaître en vrai, ce jour-là, vous allez avoir de quoi pleurer. Ce jour-là, sur la tête de mes enfants, je fais même une story sur votre propre Insta avec vous. Comme ça, vous aurez de quoi m'inventer une vie et parler. Arrêtez de parler de moi, arrêtez de m'inventer une vie, arrêtez, je connais même pas votre putain d'existence sur Terre. Bordel, mais oh, arrêtez, vous êtes prête à tout pour des followers. Mais arrêtez. Vous voyez les histoires que vous entendez même des uns et des autres, c'est pas un quart de ce que moi je vis. Oh, arrêtez, je vous jure, parce que sur la vie de ma mère, je m'en bats les couilles. Je voulais vous l'entendre. Je m'en bats les couilles aujourd'hui des réseaux sociaux. Vous voulez l'entendre? Je m'en bats les couilles. Vous êtes content que je parle mal comme ça? Ça vous fait du bien?